Salut Thomas et Jacques, j'espère que vous allez bien. Et là, on se retrouve sur Green Hell pour la nouvelle partie. Donc là, je viens de me réveiller sur le camp en bambou, là. Donc là, ce qu'on va faire, on va récupérer à boire avec une noix de coco. Et puis, on va aller essayer d'aller dans les deux autres camps. Donc là, dans l'ancien épisode, je sais pas si vous avez vu, bah, j'ai fait les camps, le camp qui est tout en bas, le camp au sud-sud-est, où j'ai récupéré le piège mortel, la machette et tout. Là, je me suis retrouvé juste avant ce camp-là, j'ai été dans le camp bord de l'eau, j'ai récupéré les pièges, la nasse, ouais, c'est tout, je crois, juste la nasse. Hein. Et puis bah là, on bouge. Donc là, j'arrive au niveau du 4x4, les gars. Vous voyez, on continue la progression tranquille. Ah, pas assez de place pour récupérer, ouais, comme vous voyez, je fais tous les camps, je récupère toute la bouffe. Il y en a partout. Donc là, je vais récupérer ça. Et puis, toujours à la recherche de pièges, hein, les gars. Je cherche vraiment le plus de pièges. Dans ces deux vidéos, dans ces vidéos-là, là. Donc on va essayer de les trouver. Donc là, on se met vraiment bien en bouffe. Et puis après, on va essayer d'aller chercher le piège à coller. Enfin, je sais plus comment il s'appelle celui-là. C'est le piège pour les gros animaux, là. Donc juste après ça, on va aller chercher le gros piège. Et après, on va essayer de se rendre dans le camp abandonné, là. Direction sud. Ouais, direction sud. Voilà, en bouffe, on est bien. C'est bon, on va pouvoir bouger. Donc là, faut que j'aille dans l'est. Donc voilà le piège, les gars. C'est celui-là que je vous disais tout à l'heure. Voilà, comme ça au moins, celui-là, je l'ai récupéré. On est plutôt pas mal. En piège, on est vraiment bien là. En piège, j'en ai plutôt pas mal. Donc là, on va récupérer encore quelques petites ressources. Dans la grotte, c'est où quel élévateur là? De toute façon, on va aller faire un petit tour parce qu'on va voir s'il n'y a pas eu de la nouveauté là-dedans. J'aimerais bien voir si c'est la. Alors, pour ceux qui savent pas, ici, c'est la réserve de Moulinera. Réserve de pansement, elle est juste là-dedans, les gars, vous allez voir. Alors, là, on va se faire un petit allume-feu des familles, c'est le seul truc que j'ai pas fait encore. Voilà. Le petit allume-feu, c'est bon, ça c'est fait. Et là, regardez, je vais juste vous montrer le coin des pansements, il est là-dedans. Si vous avez besoin de pansements un jour ou quoi, voilà, faut venir ici. Regardez, il y en a partout des pansements. Non, vous savez, je suis plein de partout, même un petit bâton. Ok, c'est bon, je suis blindé. Donc, vous voyez, pansements, il y a tout ce qu'il faut, les gars. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, il n'y a rien à faire ici, toujours rien. Non, le petit bouton qui est là. Non, non, bon, on bouge. Donc, là, on arrive à la carcasse de l'avion. Donc, je suis venu récupérer le lit. Le lit et puis bah toute la bouffe hein. Voilà, donc là on récupère vraiment pas mal de trucs. Il y avait des asticots ici avant, là il n'y en a plus, d'accord. Donc là hop, descendre, on va récupérer encore toute la bouffe qu'il y a dans le coin là. Celui-là il y en a encore un paquet de bouffe. On va récolter ce qu'il y a à récolter, on va manger ce qu'il y a à manger. Et puis après on va essayer de se diriger dans le camp au sud. Dans le camp désertique là, dans le camp où il n'y a plus personne, dans le camp abandonné, voilà, chercher le nom. On va essayer de se rendre là-bas, parce que là-bas, bah, il y a encore pas mal de petits trucs à récupérer. Donc on va essayer d'y aller tranquillement. Je veux dire, je récupère tout les gars, un maximum de choses. Si je peux récupérer les noix de coco, si je vais les récupérer, comme ça, hop, j'ai de la boisson pour l'instant. Magnifique. Parfait. Et encore mieux. Voilà. Donc là, normalement, bah, c'est parfait. On va pouvoir bouger tranquille et se diriger dans le camp au sud. Allez, c'est parti, les gars. Donc là, putain, les gars, regardez, j'ai trouvé une baie amazonienne, là, une noix amazonienne. Putain, j'en trouve jamais, là, pour une fois, ça y est. Ah, bah, dis donc. Ma première, je vais pouvoir faire ma première canne à pêche du jeu. Et bah, c'est plutôt cool, ça. Donc là, on va se retrouver, on va passer par là pour se retrouver de l'autre côté, tranquillement. Et ben voilà, donc là on arrive au camp abandonné, petit piège à grenouille là, voilà. Donc là on continue à avoir des pièges, on continue à attraper pas mal de nouveaux trucs. On continue la récolte d'objets. Donc là pareil, hein, dès que je peux récolter les gars des vers, des larves, enfin des asticots, des larves et tout, je récupère. C'est bon, l'objectif là c'est de tout récupérer sur cette partie de map là. Et après d'aller m'installer sur la nouvelle partie de map là, sur le petit îlot là où j'avais fait comment dire ma nouvelle base sur les anciennes vidéos.
Donc, ça va être ça. Bon, je pense que j'aurai pas le temps d'y aller. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'une fois tout ça, je vais me rendre carrément dans le sud de la map, dans le petit coin safe là-bas. Je vais faire un petit camp là-bas d'abord, je pense, avant de m'attaquer à mon nouveau camp qui sera sur la nouvelle partie de la map. Mais bon, pour l'instant, on a tout ça récupéré, en espérant que je tombe pas sur les indigènes et on sera plutôt bien. Donc là, comme je vous dis, hein, je récupère tout ce que je peux. Tous les asticots, toutes les larves. Parce que la pêche, ça en consomme pas mal. Donc là, les larves, les trucs, charbon, ça je prends. Os. Os, os, os. Ouais, je vais peut-être récupérer. J'en ai pas d'os. Hein. Je crois pas que j'ai d'os sur moi. Là, je vais en faire des aiguilles. Ça, on sait jamais, un petit verre ou quoi. Ouais. On va récolter ça. Au moins, on sera mieux. Et puis, je crois que j'ai fait le tour du camp là. Là, je crois que celui-là, c'est fait. Ouais. Le hamac, le couteau en os. Ouais, je pense que c'est bon. On peut se barrer, les gars. Allez, on se barre. Donc là, les gars, on est arrivé tout au sud. On est dans le camp, dans le coin safe, dans le sud, là. Ma petite oasis, là, que j'aime bien. Donc je pense que je vais commencer à taffer tout de suite. Et puis, je vous reprendrai quand la base, elle sera fine. La micro-base. À tout de suite. Donc là, petit feu, voilà. Ça y est, vous voyez les gars, j'ai commencé à bien avancer. J'ai mon petit toit déjà sur le. J'ai mon petit toit. Il me reste plus qu'à faire un petit lit, j'ai le feu. Vous voyez, je suis pas mal là. Là, je suis pas mal du tout. Donc on va manger. Ouais, on va manger, on va se finir la base. Et puis après, on va jeter un petit coup d'œil, comment dire, sur le cahier d'aventure là. Voir un petit peu tous les pièges que j'ai récupérés, enfin la totale. Donc là, petit perroquet aussi, c'est bien, il va me falloir des plumes. Parfait. Donc vous voyez, en bouffe, enfin je suis en bouffe, en tout, on est bien. On est vraiment bien, les gars. Donc là, il me restera plus que, je vous dis, hein, à aller dans le nouveau coin de la map là-bas, dans l'est, me poser et puis être tranquille. Ah, ça fait bien de manger là. Ça y est, tout est fait les gars. Mon petit camp il est terminé. Mon lit, mon feu de camp, il y a tout, la totale. Allez, quelle heure? C'est bon. En bouffe, on est plutôt pas mal. Là-dedans, il y a ce qu'il faut. Bon, c'est plutôt cool. Donc alors dans le cahier les gars. Vous voyez, on a découvert pas mal de trucs. Hein. Vraiment pas mal de trucs. Donc alors là, c'est les objets que qu'on a à la base, hein, on va dire. Hein, qu'on a dans le truc, ça on les connaît tous. Voilà, avec l'allume-feu tribal. Donc là les plantes pour l'instant j'en ai pas récupéré beaucoup et j'en ai pas goûté beaucoup, donc là il va pas y en avoir énormément dans le cahier je pense. Voilà, c'est tout. Là en blessure, là pareil, en blessure j'en ai pas beaucoup, à part l'urticaire et les sangsues, c'est tout ce que j'ai eu là pour l'instant. Là c'est toujours la même chose. Ça pour l'instant voilà, rien de nouveau je pense. Les habitations on les a vues. Y a rien de nouveau là-dedans non plus. Alors là dans tous les crafts là j'ai récupéré pas mal de trucs hein. Vous voyez tout ce que j'ai récupéré, les feux de camp, les séchoirs et tout le bordel. Voilà, je pense que là j'ai fait le tour aussi. En bouffe, là il y a les récolteurs d'eau. Donc là j'ai, je crois, j'ai les 4 récolteurs d'eau. Les pièges. Alors piège en pierre, piège à écage, le piège mortel. Ça c'est plutôt cool. Et le piège à coller, voilà, c'est ça. Le piège à coller, nasse, petite nasse. Et le piège à arc, voilà. Donc je pense avoir fait le tour des pièges là pour l'instant. Je sais qu'il m'en manque un ou deux que sur le nouvel coin de la map. C'est la nasse à crevette et puis le piège à canne à pêche. Mais j'en ai vu un autre aussi qu'on pose au sol avec des pics. Mais celui-là, je sais pas où il est, donc je vais essayer de chercher ça. Et puis voilà, donc laissez le message dans les commentaires les gars si vous savez où il y a des pièges, des nouveaux crafts et tout, que j'aille les chercher récupérer. Et puis on se retrouve à une prochaine vidéo. Donc portez-vous bien. Ciao, bye tout le monde.